Dans l'optique de bien pouvoir réussir à son examen du BEPC et du baccalauréat, prévu dans quelques jours, l'administration du Collège d'enseignement général d'Akadjamé renforce ses candidats à travers une série de révisions intensives dans un climat totalement différent de l'ordinaire. Chaque pays doit se spécialiser dans la production du bien, pour lequel il dispose un avantage absolu. Nous avons démarré les séances de bachotage. On a démarré, disons, le mercredi dernier. Nous sommes déjà à une semaine. Et bien entendu, après plusieurs séances de travaux dirigés, nous nous sommes dit qu'il faut s'arrêter pour organiser les enfants autour des petites difficultés qu'ils ont. Et cela ne peut se régler qu'à travers les séances de révision. Déjà dans la matinée, ils sont soumis à une épreuve de contrôle de connaissances d'une matière à une autre, que ce soit en troisième et en terminale. Une façon pour ces différents professeurs qui sont convoqués à ces séances de bachotage d'évaluer leurs capacités intellectuelles et de remédier au fur et à mesure des lacunes que certains continuent de trimballer jusqu'à présent. Ça se déroule très bien. Les professeurs ne sont pas pressés. Ils font tout doucement avec nous. Ils essayent de nous amener à comprendre les sujets, à nous amener à ne pas avoir peur. Il doit importer les biens en comparant les facteurs qui lui manquent. À travers ces séances dont bénéficient ces candidats depuis quelques jours, ils se sentent davantage plus confiants à cette veille de l'examen national. À travers ces révisions, j'améliore mes méthodes à faire les épreuves. À moins de deux semaines de ces différents examens nationaux, le directeur du dit collège confirme d'avoir mis le maximum de moyens matériels et techniques afin que ces candidats soient totalement aguerris pour décrocher ces fameux diplômes avec brio. J'ai informé les apprenants eux-mêmes sur la conduite à tenir pendant ces séances de révision. Et j'ai convié les responsables de classe à recenser régulièrement tous les jours les candidats absents au cours des séances de bachotage et les candidats qui viennent en retard. L'autorité nous a déjà demandé d'importer la plateforme EducMaster par rapport aux absents et aux retards pendant les séances de révision. Et nous le faisons pour aider nos apprenants, pour aider les parents, pour que les résultats soient très bons en fin d'année.